est là. Mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour ce derby Vaudois au stade de Copain qui va mettre aux prises le FC Vevey United à la formation du FC Échallens. Région, mardi, la décision sera prise pour savoir si Vevey United reprendra le nom de Vevey Sport. C'est le générique en début de reportage. Et bien, c'est que durant l'assemblée de mardi, et bien les dirigeants auront décidé de redonner le nom de Vevey Sport à cette formation de Vevey United pour le moment, qui se doit véritablement de réaliser un bon résultat, hein, véritablement pour garder le contact avec le haut du classement. Des résultats en dents de scie pour les Veveysans dans une situation compliquée, qui ont quand même l'obligation aujourd'hui de réaliser un bon résultat face à la formation du FC Échallens région entraînée par John Dragani. Une rencontre et un derby très très souvent passionnant à vivre. Et avec ce premier ballon pour les joueurs chalensois, un cuir qui est finalement dégagé, ça va permettre aux jaunes et bleus là, de partir à l'offensive avec un ballon mis en avant. Ouais, là, c'était pour Sulicic qui n'a pas pu aller au ballon. Beaucoup trop longue cette balle avec un contact et une faute sur Mouamer Zeneli. Prétendre au final, il faut faire mieux hein, pour le moment. 3 matchs, 3 points pour Vevey. 3 matchs, 6 points pour l'équipe des Chalons Région avec le tacle. Appuyer le tir. La reprise Sulicic un peu trop court pour venir récupérer ce ballon. Sébastien Leneun là, qui est venu tacler alors Stevo Gazic. L'arbitre qui a laissé l'avantage et qui aurait pu revenir à la faute sur le numéro 8 Veveysan. Notamment Oskan, un nouveau défenseur de cette équipe de Vevey United qui a joué du côté de Dunarea. Kalarzi, attention avec cette balle sur le côté, un tir appuyé. Une frappe de Rushen Guziminega, la bonne opportunité pour Échallens Région qui est très très vite allé en avant avec ce ballon. Jouer pratiquement une touche de balle pour servir Quentin Rushen Guziminega, capitaine. Tu as vu sa frappe passer assez largement par-dessus la cage du portier Cédric Zimmermann. Le contrôle de ce ballon, Rushen Guziminega qui l'a remis derrière lui. Zanelli, c'est bien joué cette ouverture dans le couloir. Le capitaine Rushen Guziminega qui peut récupérer le centre dans l'axe. Une reprise de la tête finalement de Trabelsi, Alexandre Trabelsi, qui voit sa frappe passer par-dessus le lieu. Un ancien joueur de Vevey entre 2013 et 2014 avant de passer par le Stade Lausanne, par Bavois et Yverdon Sport. Et de rejoindre donc cette équipe d'Échallens Région avec Trabelsi qui accélère. Yannigro qui ne peut pas se mettre en position de tir. Nouveau crochet, c'est bien joué. Oh, le tacle, magnifique. Superbe tacle d'Oskan là, qui vient mettre ce ballon au corner. On avait parlé de lui tout à l'heure. Ancien joueur deuxième division roumaine à Dunarea, Kalarzi. Et là, il nous montre un petit étalage hein, de son talent avec ce tacle. Parfait, dans les pieds de Yannigro, ça débouche sur un corner. Corner de la 21e minute en faveur de l'équipe chalensoise. Ballon mis au premier poteau, c'est repoussé de la tête par Zouma qui peut sortir ce ballon. Ça va revenir encore une fois avec Yannigro, le centre. Et c'est repoussé de la tête, ce sera un nouveau corner. 22 premières minutes pratiquement, 23, Vevey qui a joué défensivement très solidement mais qui ne s'est pas procuré d'occasion de but avec ce ballon prolongé par Diop. Un centre tendu, la reprise de Sulicic finalement et ce ballon qui passe par-dessus. On l'a dit, pas d'action tranchante à mettre au crédit pour le moment des joueurs de Christophe Cachil. Ces trois joueurs, Demiri et Yannigro. Demiri peut-être du droit, Yannigro aussi. C'est Yannigro qui va s'élancer. Non, c'est Demiri finalement avec la frappe sur la transversale. Drabelsi qui récupère le centre et cette balle contrée avec l'arrivée notamment de Quentin Rushen Guziminega. L'arbitre a sifflé. Petit avantage au point pour le moment pour Échallens Région qui s'est procuré les meilleures occasions, dont ce tir signé Demiri sur la transversale. Attention, Rushen Guziminega avec le crochet, il se met en position de tir. Il va ouvrir son pied. Frappé, on réclame une faute de main. On va l'obtenir, c'est un pénalty. Une faute de main de Zouma, semble-t-il, qui n'a pas laissé le bras le long du corps, mais qui l'a sans doute écarté. En tous les cas, l'arbitre avait l'air assez décidé. Hein. Lorsqu'il a fallu siffler, c'est une occasion d'ouverture de la marque pour
Et Chalon, occasion de troisième réussite pour le capitaine Ruchen Ziminega dans ce championnat pour Échalon Région face à Cédric Zimmermann. Pénalty de la 39e minute en faveur des visiteurs sur ce pénalty indiscutable. Ruchen Ziminega et l'intervention de Cédric Zimmermann. Il parvient à s'interposer, il est trop sur le portier ce ballon, mais très bonne intervention de Zimmermann qui a choisi le bon côté et qui permet à son équipe de conserver hein, pour le moment ce 0-0. Et Dieu que Christophe Cachilli, Leban et tous les joueurs ont dû respirer sur cette intervention de leur portier, très souvent décisif hein, lors de ces derbies. Évoqué le club, hein, Dunărea Călărași, mais il a joué en deuxième division roumaine. Le numéro 5 qui botte ce coup franc, scan avec une déviation de la tête de Zuma. Monté pour l'occasion et qui va encore patienter pour marquer son second but de la saison. Une des dernières opportunités hein, de cette première mi-temps. Trabelsi, coup de rein, il va passer. Trabelsi, c'est bien fait là entre les joueurs veuvezans. Ce ballon mis en avant, le tir. Ah, il n'y a pas assez d'appui pour Aziz Demiri et cette prise de balle aisée pour Zimmermann. 46e minute de cette première mi-temps. L'arbitre qui va siffler le coup d'envoi de cette deuxième période sur cette marque de 0-0. Il faut bien l'avouer, hein, à mettre au crédit des joueurs d'Échalon Région qui se sont procurés les actions les plus dangereuses avec notamment, on l'a dit, le tir sur la transversale d'Aziz Demiri. Puis en fin de mi-temps, eh bien, le même Demiri qui a eu l'occasion face à face avec le portier de venir le tromper. Ce n'était pas un tir assez appuyé, c'est défensivement pour le moment que Vevey United a tenu le choc. Mais sur le plan offensif, ça monte cruellement hein, pour le moment le jeu proposé par les Veveysans. La faute aussi à une bonne organisation chalonçoise. En tous les cas, pour les 45 premières minutes. Rocha, superbe défenseur hein, qui a joué du côté de Vevey également, âgé maintenant de 35 ans. Le bonheur de l'équipe chalonçoise avec Stevo Gazic qui va perdre le ballon. Attention à Zenelli, il a une bonne frappe Zenelli. Là, il ne parvient pas à cadrer, ça passe assez largement à côté du but. Petite tape amicale également de la part de Marco Gabriele. Match qui se joue dans un très bon état d'esprit. C'est Zenelli qui va se charger de ce coup franc de la 14e minute. On est pratiquement à l'heure de jeu. Oui, finalement, effet de surprise, il l'a joué rapidement. Alors encore une fois, ce n'est pas cadré, on n'arrive pas à trouver la cage du but de Cédric Zimmermann qui n'a pas eu à intervenir pour le moment dans cette seconde période. Ce ballon repoussé, Bildago qui va pouvoir s'en emparer. Attention, joli duel avec Zenelli, c'est Zenelli qui a le dernier mot. Le centre de Zenelli, oh, ça vient toucher la latte, mais il me semble que c'était touché par Zimmermann qui a préféré assurer et mettre ce ballon au corner. Pour ce dégagement de la 25e minute dans cette deuxième période, dégagement de la tête, interception de ce cuir avec Sulicic qui va récupérer, Sulicic qui va passer la transmission sur Timba. Timba, il a un compte favorable, Gomis, le décalage de Gomis, il est tout seul, prend ton papa, le tir et ses buts. Ouverture du score. Magnifique passe de Gomis pour Protopapa. Et Protopapa qui inscrit la première réussite de la rencontre sur une des premières grosses occasions, une véritable grosse occasion pour l'équipe de Vevey United. Une équipe veveysane là qui prend l'avantage sur son adversaire alors qu'on l'a dit, on est dans la 25e minute de cette deuxième période. Quelle lucidité là, de la part de Gomis sur ce but avec cette transmission à Protopapa alors que les Veveysans repartent à l'offensive. Dago qui va peut-être tenter le débordement, non, qui met sur Gomis, le crochet de Gomis, Simba qui va revenir à côté de lui, la frappe appuyée, ce ballon qui passe par-dessus. Le but, pas de danger là pour le portier. Noah Falk qui va pouvoir le milieu de terrain, le dessus finalement, il met ce ballon en avant. Ça sera pour l'arrière-garde de l'équipe chalonçoise et pour le portier Falk. Cette transmission du ballon fait tourner hein, pour le moment avec Chavan. Attention, un cuir dans l'axe, Simba qui peut récupérer, Stevo Gazic. Gazic qui remet de la tête pour Meite. Meite avec une frappe. C'était bien tenté là, de la part de la nouvelle recrue de Vevey United, peut-être futur Vevey Sport, on l'a dit, et l'ancien joueur, jeune joueur des U23 de Leicester là, qui se crée une occasion. C'était sans compter avec la défense chalonçoise qui parvient à mettre cette balle en contrôle.
de ce ballon. Encore une fois, Protopapa, il lève la tête, il va renverser le jeu. De l'autre côté, sur Maïté, c'est bien joué. Le jeune de 21 ans, position illicite sur ce service de Protopapa. On tente de jouer rapidement de l'autre côté avec Yannick Gros. Il va venir affronter la défense. Yannick Gros, le centre, c'est repoussé de la tête par Zuma et intercepté par Maïté. Le joueur ivoirien là qui parvient à passer l'intervention fautive. Oh là là, cette fois c'est le carton et il ne souffre d'aucune discussion là sur cette phase de jeu. Steve Ogazic qui se proposait là, ce tir qui est remis en arrière. Diop dans l'axe du terrain, interception. Oh, c'est bien récupéré là par les Vevezans avec un tir et ce ballon de 6 qui passe assez largement à côté. Là, c'était bien récupéré là par l'équipe Vevezane. Falcou va pouvoir dégager. Il reste moins de 3 minutes à son équipe pour parvenir à recoller au score. Et Simba avec l'appel de balle de Protopapa dans la profondeur. Simba qui va conserver ce ballon, le mettre dans le couloir sur Dago. L'intervention sur Dago. Oh oui, encore un carton pour ce tacle en retard signé Daniel Kadima qui est comme du carton jaune. Il faudra voir ça au ralenti, mais à mon avis, il est légèrement en retard. Accrocher son adversaire, il vient sportivement d'ailleurs le relever. Beaucoup de fair play, on l'a dit, dans ce match. C'est dur le jeu, bien sûr. Il y a de la dureté dans le jeu, mais un grand respect entre les acteurs de cette rencontre. C'était mis en retrait sur Chavannes. On lève la tête, 49e, presque 50e minute. Ce ballon dans les bras du portier de Zimmermann. L'arbitre qui a regardé son chronomètre et qui met un terme à la rencontre. Victoire du FC Vevey United, on l'a dit, peut-être futur Vevey Sport ou retour dans l'histoire au niveau du nom du club. En tous les cas, Vevey s'impose aujourd'hui dans ce match. C'est important pour la suite de la compétition, une victoire à 1-0. On en est à 4 matchs, 6 points du côté de Vevey, comme Échalant d'ailleurs du côté de Vevey. Mais il y a 2 déplacements qui attendent les joueurs de Christophe Cachilli maintenant à Terre Sainte. Et puis ensuite face à Mérin, 2 gros matchs pour les Vevezans. Quant à Échalant de son côté, il affrontera la semaine prochaine, le week-end prochain, le néo-promu Montais. Beaucoup de déceptions naturellement en vue de ce que vous dites. Quoi. Je pense que voilà, on a eu les occasions, on avait la possession du jeu, on a fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, si ce n'est que le dernier geste a manqué, et puis voilà, qu'on s'est fait punir sur une des rares occasions de Vevey. Donc la déception, beaucoup de déception. Beaucoup de fierté quant à mon équipe aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui ils ont fait preuve d'une belle maîtrise de jeu, ils ont réalisé ce qu'on leur avait demandé de faire, mais voilà, c'est comme ça des fois le foot, c'est ainsi. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait mérité certainement autre chose que de rentrer avec 0 points à la maison, mais enfin voilà quoi. On a joué Mérin, on a joué Lancy, on a joué Vevey, donc je pense qu'on a quand même joué aussi des équipes, alors sans manquer de respect à Terre Sainte, mais je pense qu'on a quand même joué 3 équipes qui vont jouer le haut cette saison. Donc voilà, nous de trouver le rythme. Nous, on a aussi beaucoup d'ambition par rapport à ça. Et voilà, donc effectivement, il nous manque des victoires, comme ça aurait dû être le cas aujourd'hui si on avait pu soigner ces quelques détails-là. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route. L'équipe travaille bien, l'équipe est très réceptive. Et on y croit, mais il ne faut pas se décourager, parce que c'est vrai que des défaites comme ça, elles font mal. Il y a eu un bon travail de Kevin au milieu du terrain. Ensuite, il met la passe à Chris. Chris, il me la décale magnifiquement. J'avais même mon temps pour la mettre. Puis, je la mets en regardant le gardien. Et puis, voilà. Il faut dire qu'Échalant, c'est une grosse équipe de cette première ligue. Donc, c'est normal que c'était un match difficile. Donc, ouais, on gagne 1-0, c'est le plus important. Pour nous. Ouais, comment ils sont, Stefano Protopapa, actuellement? Parce qu'on sait que vous reveniez de blessure, hein, ensuite vous avez commencé gentiment. Comment ça va maintenant? Ça va beaucoup mieux. Je crois que les petites gènes sont derrière moi maintenant, et puis je vais pouvoir enchaîner. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, et puis d'enchaîner le plus de matchs possible, et de mieux faire que l'année passée où j'ai loupé beaucoup de matchs avec une grosse blessure à la cuisse. Voilà, prochain match Terre Sainte, il ne faudra pas non plus, c'est une pure banane un petit peu, il faudra prendre le match très au sérieux. Non, il faut toujours prendre le match au sérieux, tous les matchs au sérieux, c'est nous qui dictons nos matchs. Donc ce match-là, il faudra le prendre très 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 au sérieux et puis enchaîner une deuxième victoire si possible. Un gardien, il est là pour arrêter des ballons, des fois il est décisif comme aujourd'hui. À Lancy,
J'ai eu de la poisse. Il y a eu un coup franc dans les 16 mètres. Il tape le poteau et puis je le prends dans le cul et puis il rentre. Puis aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Non, c'est pas que de la chance aussi, faut avoir l'œil. Un peu de la réussite aussi, mais je pense que c'était mérité parce que je pense qu'on fait un bon début de championnat, même s'il n'y a pas vraiment les résultats. Mais je sens vraiment l'équipe, elle est impliquée. Et puis voilà, aujourd'hui on a la réussite. J'ai eu de la réussite pour arrêter ce penalty et puis finalement on a gagné 1-0, ça fait très plaisir.